larve devenue papillon, elle est sortie de sa nymphe. Elle abandonne sa chrysalide, de crispation en crispation, elle frissonne et se contracte. Un truc de dingue, se dit-elle, me voilà mâle ou bien femelle. Égarée, elle a quitté son jardin et se pose à la terrasse d'un café. Qu'est-ce que je vous sers ? Une bouteille d'eau vitale. Elle humecte ses lèvres d'un mouchoir estival. Elle, en norme, posée sur un chapeau de forme, se questionne. On lui dit non, pas question. Quelques minutes à vivre à l'échelle de l'éternité avant que sa vie ne se fasse dynamité. Fin de récital, mon apothéose, elle s'envole et explose. Et si c'est l'enfer, les minutes sont comptées. Trop de choses à faire à la cause. Succès les faire, et si c'est l'enfer, les minutes sont comptées. Trop de choses à faire à la cause. Succès les faire. Les papillons noirs ont sorti leurs ailes écarlates. Ils pirevoltent au-dessus de la sphère. Lui enfile un gilet maillé tressé en fil de soie paraffiné. Il n'est pas pressé. Il se retire dans sa coquille imperméable. Le poing contre le pare-brise, les yeux dans le vide. Les larmes se mettent à couler. Inimitié sincère, principe d'inanité, collection de cocons sous verre. Il assouvit sa passion, qu'il est une connexion diurne, nocturne et soudain réverbère. Les chenilles écrasent les voitures. Ici c'est l'enfer, ici c'est l'enfer, ici c'est l'enfer. C'est l'enfer, les minutes sont comptées. Trop de choses à faire à la cause. C'est l'enfer, ici c'est l'enfer, les minutes sont comptées. Trop de choses à faire à la cause. C'est l'enfer. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tous vos appels.